Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurendeau, la pilote des Cœurs. Et aujourd'hui, le 19 mars, c'est la journée mondiale des Canaries. Je ne parle pas de l'île Canarie, mais des oiseaux Canaries. Voilà, alors c'est le petit oiseau jaune qu'on appelle aussi serin jaune. Voilà, c'est la journée internationale pour les amateurs, les gens qui font l'élevage des Canaries. Alors, sur Wikipédia, on a une belle page sur le Canari. Je ne sais pas si vous avez des perruches ou des canaris à la maison. Voilà, et si ça vous intéresse comme sujet, il y a quand même des documents qu'on peut trouver, mais la recherche n'est pas évidente. Regardez, chez Renaud Bré, le premier résultat, ça donne sur des guides de voyage. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. On veut vraiment l'oiseau. Si je cherche avec le mot serin, je retrouve des mangas, mais ce n'est pas nécessairement ce que je veux. On a aussi quelques autres livres sur la thématique sur le serin. Mais si je cherche avec perruche, je retrouve des livres, mais pas nécessairement sur le canari à proprement parler. Voilà. Mais là, on en retrouve le plus, c'est chez Chapteuse, dont Henri le Canari, des livres jeunesse, des guides aussi sur les canaris. Et alors, chez Chapteuse, il y a l'air d'avoir plus de sélection pour le canari, pour ce qu'on recherche réellement, l'oiseau, le canari. À la Bibliothèque nationale, quand on fait une recherche maintenant, canari. Voilà, alors vous voyez, ça nous donne aussi plutôt les guides de voyage au départ. Mais ce qu'on peut faire pour peaufiner la recherche, regardez ici dans les sujets. Alors, si on clique sur le moins, ça fait exclure, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut inclure et n'avoir autrement dit, surtout que ça. Alors, on va faire restreindre la recherche à Canaries. Et à ce moment-là, on a ce qu'on recherche, des livres sur oiseaux, le canari. On a à peu près 61 résultats, ce qui est quand même intéressant. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite bonne lecture et à bientôt pour un autre épisode de la Bibliothécaire. Bonne journée tout le monde. Bye.